allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Et bonjour, je fais une nouvelle vidéo sur un sujet un peu particulier, les revenus. En fait, je vous parle de ça parce que récemment on m'a parlé de salaire et de ce que pouvait gagner une personne en règle générale. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que, en fait, souvent à tort, la plupart d'entre nous, on pense que nos revenus mensuels, nos mensualités, ce que nous gagnons tous les mois, est le vecteur de notre richesse. Alors qu'en réalité, on se rend compte que la plupart des gens qui gagnent de l'argent ne raisonnent pas en salaire. Et en réalité, je veux vous parler de tout ça parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant de voir comme nous pouvons tous raisonner de manière différente. Alors, en fait, Le problème des revenus est essentiellement lié à notre rapport que nous avons avec le temps et le travail. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, le quotidien se résume à ceci, c'est-à-dire que pour payer ses traites mensuelles, on ne voit comme seule et unique solution que le fait de vendre son temps à un employeur qui nous rémunère contre un salaire et qui nous permet d'assumer l'ensemble de nos charges. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait le schéma tel que je le présente aujourd'hui est vraiment très cloisonné. C'est-à-dire que vous avez besoin tous les mois de payer votre forfait téléphone. Du coup, pour que tous les mois vous puissiez assumer cette charge, en réalité vous allez chercher un travail qui vous permet d'avoir le téléphone. Mais comme le téléphone seul en soi n'est pas réellement un problème, en fait vous pouvez ajouter le téléphone, la voiture, enfin l'ensemble des éléments qui nous entourent aujourd'hui sont ramenés à une mensualisation et nous donnons cet effet de devoir finalement travailler et mensualiser nos revenus pour à la fin arriver à payer tous les mois tout ce dont on a besoin pour vivre. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la mensualisation, c'est un piège. Il est très difficile aujourd'hui de ne pas y tomber dedans et en réalité, c'est vrai que nous y sommes tous assujettis d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'essaye de toujours raisonner à l'année. J'aime bien avoir des montants annuels. Je m'explique, je vais reprendre l'exemple du forfait téléphone. En réalité, le forfait téléphone, vous vous dites dans votre tête, par rapport à votre mode de vie, je dois générer 20 euros par mois pour le payer, mais en fait, ces 20 euros par mois, c'est 240 euros par an. Donc, en réalité, dès l'instant où vous mettez 240 euros sur un compte, que l'argent soit pris tous les mois, qu'il soit prélevé pour l'année, ça revient strictement au même. Mon meilleur exemple pour illustrer ce dont je suis en train de vous parler, c'est l'assurance voiture. J'ai toujours payé mes assurances voiture comptant, en fait, enfin, on me demande l'assurance, tac, je paye pour l'année, l'année suivante, je verrai comment je fais au moment venu pour payer mon assurance voiture. La plupart des personnes qui sont autour de moi souvent me disent, ça va pas, pourquoi tu fais ça, etc. Mon raisonnement pourrait s'argumenter de plusieurs manières. Mon premier argument qui me vient quand je vous dis tout ça, c'est qu'en fait, certes, sur le moment, je me démunis d'une grosse somme, mais après, mensuellement, je n'ai plus à donner d'argent. Donc en fait, j'ai la sensation, peut-être étrange pour vous, mais pour moi qui est une conviction, qu'en réalité, je m'enrichis puisque la charge mensuelle que je devrais avoir, je ne l'ai plus. Alors je l'ai payée puisque je l'ai donnée en totalité, mais tous les autres mois, c'est de la liberté que j'ai sur mes comptes en fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo? Bien souvent, on a l'impression que les gens qui sont riches gagnent beaucoup d'argent tous les mois. Et en fait, ce n'est pas la réalité. Moi, j'ai remarqué que très souvent, les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne raisonnent déjà premièrement jamais au mois et en fait gagnent des sommes d'argent de manière ponctuelle et après les gèrent. Et je crois qu'il y a là une des clés et une des pistes de réflexion que vous devez avoir. Car en effet, je pense que raisonner au mois
finalement, c'est raisonné à court terme, puisque tous les mois, le mois recommence et vous allez retravailler. Finalement, votre cerveau accepte cette espèce de redondance et vous n'êtes plus là à chercher d'autres choses pour gagner votre argent. Alors que si vous raisonniez à l'année avec un système en vous disant « Bon voilà, moi pour cette année, il me faut tant d'euros pour vivre » et que vous cherchiez un moyen de gagner cette somme, en réalité, la démarche que vous allez avoir est complètement différente. On va prendre des chiffres un peu plus gros maintenant. Imaginons que pour vivre, pour générer tous vos frais, il vous faille 12 000 euros, 1 000 euros par an. Avec ces 1 000 euros, vous payez votre logement, votre électricité, votre bouffe. Que cette somme donc de 1 000 euros représente vraiment, mensuelle, représente vraiment la somme d'argent dont vous avez besoin. C'est une somme simple, je l'ai fait exprès. On est donc sur 12 000 euros annuels. Donc, à partir de ce moment-là, la question que vous avez à vous poser, c'est comment faire pour gagner 12 000 euros. Alors, si je le mets dans ce contexte, c'est-à-dire tel que je viens de le faire là, c'est vraiment compliqué. Mais si maintenant je rajoute des éléments temporels, j'ai besoin de 12 000 euros pour l'année et j'ai 365 jours pour les gagner. À partir de là, le problème devient différent. Je ne vous dis pas j'ai 12 000 euros et une journée pour les gagner. Je vous dis j'ai 365 jours, donc beaucoup de temps et une somme à générer. Au final, selon avec quoi vous allez raisonner, 12 000 euros, ça peut être vite gagné. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous pouvez aller acheter une voiture à une certaine époque. J'ai fait ça une fois. J'ai acheté une voiture dans un autre pays et je l'ai revendue en France en faisant une culbute. J'ai gagné à peu près 5 000 euros. Ben, par exemple, pour aller dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, je vends donc 3 voitures et j'ai donc gagné la somme dont j'ai besoin. C'est intéressant de voir que on est capable de trouver des solutions et ces solutions ne m'auront pas pris 365 jours. Pour aller chercher les voitures dont je vous parle, il me faut environ 3 à 4 jours. Donc, en admettant qu'il me faille un mois pour vendre la voiture et je vois large, donc on est déjà sur un mois et demi pour 3 voitures. J'ai travaillé donc 3 mois, 4, 5 mois à peu près pour générer mon argent. Et en voyant vraiment dans le pire des cas, c'est-à-dire que je peux éventuellement raccourcir mes délais de vente. J'ai vu les délais au pire. Alors l'exemple des voitures est un mauvais exemple parce que en réalité vous avez un nombre de voitures réglementées par an que vous pouvez acheter revendre. Ça demande quand même des connaissances techniques. Si vous les avez, c'est un très bon cas pour vous, mais si vous ne les avez pas, bon, il y a d'autres pistes de réflexion. J'essaye d'illustrer simplement le fait que, en essayant de réfléchir, de raisonner à l'année, la problématique des revenus n'est plus la même. Or, si on pousse cette réflexion que je suis en train d'avoir avec vous, vous allez constater avec moi une chose évidente, et je reviens sur la mensualisation de départ, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à vous mensualiser. Vraiment, la mensualisation, c'est aujourd'hui le cœur d'une bataille pour moi qui est menée par les entreprises. J'ai cette sensation que toutes les sociétés veulent qu'on se mensualise. Et c'est très étrange parce que quand on y réfléchit, sur un point de vue direct, on a la sensation que c'est à notre avantage puisqu'on ne sort pas la somme complète. Et c'est vrai qu'on se sent du coup avec un peu plus d'argent et on étale un paiement et c'est une facilité. Ça peut parfois, et je pense qu'il faut savoir s'en servir. Je pense que dans la mesure où rien chez vous n'est mensualisé, ce qui est mon cas aujourd'hui, et que, par exemple, un mois, c'est un peu difficile, mensualiser ce mois-là devient quelque chose de tout à fait logique et légitime. Moi, par exemple, là, j'ai eu le cas très récemment, notamment pour les cadeaux de Noël, j'ai activé une mensualisation sur 10 fois, sur un 10 fois sans frais de mémoire. Une fois la mensualisation activée, il y avait un décalage entre le jour de paiement et le jour de la première mensualisation, c'est-à-dire que ma première mensualité, j'ai payé en novembre les cadeaux de Noël, ma première mensualité est tombée en janvier, si j'ai bonne mémoire. La première mensualité est tombée et le 7 janvier, j'avais soldé l'ensemble des 10 mensualités, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'était plus une facilité de paiement
que réellement un échéancier. J'aurais pu garder mon paiement en 10 fois, avoir l'argent sur un compte, mais j'ai préféré tout solder, ne plus avoir de mensualité, et voilà. Et là, au moment où je vous parle, aujourd'hui encore, je vais réactiver une mensualité qui sera soldée le mois prochain, parce qu'en fait, pour moi, c'est un décalement de paiement, et c'est plus facile pour moi à gérer, parce que ce mois-ci, j'ai une chose à acheter là, maintenant, ou à un instant T, qui est importante pour moi, et donc je n'ai pas forcément les fonds, ou en tout cas, si je les ai, je n'ai pas envie d'immobiliser tout mon argent là-dedans, ce serait pour moi une pénalité, donc je préfère décaler le paiement. Le mois prochain, je sais que de toute façon, je pourrai payer et je paierai même si je vais prendre un paiement en 10 fois ou en 5 fois. Je ne sais pas encore sur lequel je vais opter. Mais ça sera pour moi une facilité parce que finalement, n'ayant aucune mensualité, je gère mon argent au mois comme vous, mais sans avoir quelque chose qui va venir le prélever. Donc, les dépenses imprévues sont gérées en fonction de mes besoins. Et voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, à tort, on a la sensation que un salaire est gage de richesse. Essayez d'enlever ça de votre tête. Ce n'est pas votre salaire qui fait votre richesse et il y a de très grandes chances pour que la personne que vous pensiez riche ne raisonne pas du tout en salaire. On ne sait pas en fait, quand on gagne de l'argent, on ne sait pas combien on gagne mensuellement, on sait combien on gagne annuellement. Et après, c'est bien évidemment lissé sur l'année. Les personnes qui gagnent de l'argent, j'ai remarqué vraiment ça chez elles, c'est qu'elles raisonnent sur une année. Et je pense que la plupart des gens qui ont du mal à gagner de l'argent raisonnent au mois. Mais ce n'est pas un reproche parce que c'est vrai que tout le système aujourd'hui est fait pour que vous raisonniez mensuellement et que vous allez vraiment avoir cette envie de dépenser cet argent mensuellement et de vivre avec. Voilà. Donc la vidéo a été un peu longue, c'est vrai. J'espère quand même qu'elle vous a intéressé. Je voulais vraiment vous montrer cette espèce d'idée comme quoi la mensualisation n'était pas aujourd'hui quelque chose d'obligatoire. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo, aimez-la et sinon ne l'aimez pas. Et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ha ha ha!